called Oliver Kishero Kainza, a female farmer from Uganda. I also happen to be in this training. I've learned about the technology under CSA. There are a lot. Because my first time when we were in the meeting, I didn't know what Asereka is. And when they are introducing about the Asereka and the CSA and pillars, it was very interesting. And the technology I saw, the CSA technology was the greenhouses and the irrigation. I was really interested as a farmer to see those technologies under Asereka. And because me, I'm also a farmer, I'm growing. Sometimes I'm affected by the drought. I didn't know that you can use irrigation, the simple irrigation. Bonjour, je remercie beaucoup l'Asereka qui m'a donné une invitation pour pouvoir participer à la formation au niveau de la Tanzanie. Merci beaucoup les organisateurs tanzaniens qui ont accepté de nous accueillir. Je suis Peya Kwale Paterne, je viens de la République centrafricaine. Et cette formation sur la CSA, c'est-à-dire l'agriculture intelligente, nous a permis d'avoir beaucoup de connaissances en matière de l'agriculture intelligente qui est basée sur trois piliers, à savoir l'atténuation, l'adaptation et la productivité. Nous avons eu beaucoup d'échanges, nous avons eu à partager beaucoup d'échanges. Et ces échanges-là, nous allons les transférer. Cette nouvelle technologie qui est l'adaptation, l'atténuation et la productivité, nous allons les transférer dans notre pays, dans mon pays respectif qui est la RCA, pour pouvoir montrer à nos chercheurs qui sont dans notre institution de pouvoir s'imprégner pour pouvoir pallier au problème de l'émission de gaz à effet de serre, qui est un fléau qui menace actuellement le monde. Et je remercie également l'Asereka pour cette rencontre qui nous a vraiment permis d'échanger et de pouvoir partager des expériences vis-à-vis des autres pays. Je remercie également l'équipe de l'Asereka, le secrétariat de l'Asereka, qui a fait de son mieux pour l'organisation de cette rencontre. Je vous remercie. Je m'appelle Carmen Kanyamuneza. Je suis chercheur à l'Institut des sciences agronomiques du Burundi. J'ai été invitée pour participer à cette formation qui avait pour but de nous faire apprendre les techniques et les technologies pour une agriculture intelligente face au changement climatique. J'ai été vraiment beaucoup intéressée de voir 14 pays membres de l'Asereka qui sont assis ensemble pour apprendre, pour mettre ensemble leur expérience afin de parier au problème du changement climatique qui est devenu maintenant une préoccupation mondiale. Je remercie l'Asereka pour avoir organisé cette formation. Je crois que de retour dans nos pays, nous allons partager les connaissances que nous avons reçues dans cette formation, non seulement à notre institution, mais aussi aux agri-chercheurs de notre pays, parce que nous ne pouvons pas atteindre le développement durable sans cet esprit d'équipe. Nous remercions les organisateurs, nous remercions l'Asereka ensemble et la Tanzanie de nous avoir accueillis. Nous avons bénéficié beaucoup de choses, nous avons appris beaucoup de choses, les techniques, les technologies. Et aussi, ce qui a été important, c'est que nous avons aussi participé pour des travaux de terrain, pour voir la réalité sur le terrain.
nous espérons que nous allons transmettre, copier les technologies apprises ici à notre pays. Merci. Hello, I'm Ayad Salim from Sudan. I'm a young researcher. I want to thank Atarika for hosting us for this workshop on climate smart agriculture, which was very rich for us as a young researcher. We learned a lot from it. We learned a lot from Tanzanian farmer, Tanzanian group. So we thank Atarika for that. And also, there is some technology that we learned in this workshop that I would like to take it back home, making biogas from animal waste. That it is a natural way, and also take the other waste and fertilize the soil. So I would like the farmer there to produce their own biogas and get the fertilizer, the natural fertilizer, organic fertilizer from that waste. This is one of the techniques that we learned, and I will love to have it, because we have a problem in the biogas in our country. So if everyone could use of this, I don't think this problem will be more problem. Bonjour, je m'appelle Gertrude Bongikonde. Je suis chercheur de l'Institution nationale pour la recherche et l'étude agronomique de la RDC. J'ai été invitée à participer à une formation en Tanzanie, ici par Asareka, afin d'apprendre les techniques et les pratiques qui sont utilisées dans le cadre de CSA, qui est une innovation pour nous. Nous voulons avoir certaines idées qui sont pratiquées ici en Tanzanie et partout ailleurs par les autres pays qui ont été invités aussi avec nous à participer à la formation. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris les différents piliers, les trois piliers qui permettent d'asseoir la CSA lorsqu'on le pratique, qui sont l'adaptation, la productivité et l'atténuation. Et nous espérons que cette formation pourra être restituée dans notre pays pour permettre à ce que nous puissions transmettre toutes nos idées que nous avons acquises ici. Et nous comptons aussi organiser des restitutions, des sensibilisations et aussi des formations, puisque il est important que nous puissions transmettre ce message pour pouvoir développer notre agriculture en RDC. Nous remercions infiniment Asareka pour tout ce qu'ils ont pu organiser dans le cadre de cette formation, des visites sur terrain. Nous avons eu à voir beaucoup de choses en ce qui concerne la CSA qui est déjà pratiquée ici en Tanzanie. Et nous espérons que ce n'est pas la fin, que nous allons continuer à faire ce partage d'expériences, et à la prochaine occasion, nous aurons encore l'opportunité d'élargir les horizons dans le cadre de la CSA. Merci beaucoup pour Asareka. Nous remercions infiniment les organisateurs. I am Toshwisa from Eritrea. I'm representative of National Agricultural Research Institute. First of all, I want to thank Asareka for all the efforts to combat the climate change. And I would like also the hosting country, Tanzania, for their all their hospitality and all the experience they have given us. we had a lot we took from the training, and we had also the soil and conservation practices, especially the terraces, and the improvement we had also acquired from the improvements that they have shared us in the crops, horticulture, animals, and the forestry they are making, which help the climate change to combat.
other thing what we take from here is all the biogas aspect was very important for us, and the soil and conservation activities they are practicing were also helpful for us. And the other thing what I want to mention was the artificial insemination was also very important for us to take home. And the other one was the soil analysis aspect, which we gained a lot from that. Hopefully we will also make in our countries like this, and I promise to share the experiences I gained and to teach people what I have acquired. Bonjour, je suis Ilmatai Bayabe du Cameroun. Je suis chercheur à l'Institut de recherche agricole pour le développement, plus précisément dans la division de biodiversité, forêt et environnement. J'ai reçu une invitation pour participer à une formation sur l'agriculture intelligente face au climat organisée par Asarika. Ceci, c'est une première expérience pour moi et je sors de là avec un bagage vraiment chargé, car au départ, personnellement, je n'avais pas trop de connaissances en ce que c'est l'agriculture intelligente. Grâce à Asarika, j'ai pu apprendre. Également, les formateurs nous ont montré, nous ont bien parlé, nous ont développé ce concept qui repose bien entendu sur l'adaptation au changement climatique, la productivité et puis la dénutrition également. Après cela, nous sommes allés sur le terrain matérialiser tout ce qui a été enseigné, et nous avons découvert plusieurs technologies qui sont appliquées par les paysans, notamment la production du biogaz, les biotechnologies, l'insémination artificielle. Bref, nous avons appris plusieurs choses qui contribuent à une bonne compréhension de l'agriculture intelligente, tout ceci face au climat. Alors, c'est une occasion pour moi de relayer les informations, de relayer les connaissances que j'ai acquises ici, dans mon pays. En tant que responsable d'une section, je pense déjà amener tous ceux-là qui sont sous ma responsabilité à pratiquer à leur niveau, tous ces chercheurs, tous mes collègues, à pratiquer à leur niveau l'agriculture biologique. Non seulement par les chercheurs, mais également les agriculteurs, car tout commence par la base, tout commence avec eux. Alors je pense que l'information sera relayée à leur niveau, et tous ensemble, nous allons pouvoir mettre sur pied des activités qui vont nous permettre de vraiment pratiquer cette agriculture biologique et également élargir cela à des spectres un peu plus larges. C'est une occasion pour moi de remercier Asarika pour cette formation, également ce partage entre les différents pays, parce que nous avons eu un grand partage de connaissances venant des différents pays. Je remercie vraiment tous les organisateurs d'avoir pensé à cela et d'avoir pensé à trouver une solution pour sauver notre pays, pour sauver notre monde, pour sauver notre climat. Donc merci Asarika, et nous espérons que les prochaines fois nous allons nous retrouver pour partager ensemble ce que nous avons déjà fait et prévoir encore ce qui doit être fait.